Johnny. Salutations, petits capitaines et grands amiraux, ici Starcade, votre hôte, et nous nous retrouvons pour une partie du premier de la classe. Il est en. Bon, il a accompagné notre ami Simon Falco dans son Akatsuki, destroyer ou contre-destroyer, je sais pas, je sais plus. Donc, un destroyer japonais de rang 7, et il est avec Thomas 17S qui est dans son Elena, et Misa Vienda qui est dans son Lion. Donc, c'est pas une bataille coordonnée, sinon ils m'auraient envoyé tous leur replay. Donc, on va voir ce qu'a fait Commandant Falco dans son Akatsuki. En face, lors d'une bataille de rang 7 à 9, on dirait, ou 6 à 8, je sais pas trop vu. Alors, voyons, une bataille de rang 6 à 8. Il y a deux Rangers, donc des Rangers sont des rangs 6, hein, donc ils sont un peu les boules, je pense, là. Massachusetts, Tirpitz, Colorado, Lyon, Charnorst dans la bataille du côté ami. Chapaïef, Atlanta, Elena, Algérie, Miyoko du côté aussi ami. Et un seul destroyer, le Akatsuki de Falco. En face, Tirpitz, Dismark de Colorado, Eisenhower en cuirassé. Prince Eugen, Atlanta, Elena et Fiji. Et Shores pour ce qui est des croiseurs. Et un Akatsuki aussi en face. Alors l'Akatsuki c'est un quoi? Ouais, ça, je pense que c'est un destroyer torpilleur parce que on voit il y a 3 lanceurs de torpilles. Déjà, ça veut tout dire. Il y a quand même 3 tourelles de 2 canons, hein, donc c'est pas non plus rien du tout. Alors ils sont sur ligne de faille, non c'est pas ligne de faille, non c'est estuaire. Une des cartes que détestent les cuirassés et qu'adorent les destroyers. Bon, la carte c'est domination de toute façon, avec seulement 2 bases à prendre, à aider, je rappelle. Donc 3 lanceurs de torpilles, c'est ça. Torpilles de combien? Ah, c'est des 3 ou c'est des 2? C'est des 3. 3 torpilles de 3, donc pourquoi pas. Distance 10 km. Et il est à combien de... 6.4, j'ai l'impression qu'il est... Ouais, il est à 6.4 au niveau du repérage. Donc pour l'instant ça va, il s'est pas fait repérer, logique. Il a lancé ce torpille pas pour grand chose, je pense, pas pour... Ah quoique. Akatsuki se jette dedans apparemment. Il reste bien invisible pour l'instant. Ah Akatsuki donc il change de direction. Il a dû voir les torpilles à mon avis. Ou alors il s'éloigne du... il voulait s'éloigner des avions. Ah les torpilles mettent pas longtemps à se recharger hein, par contre. Kilomètres, elles ont déjà arrivé normalement au bout. Ouais, c'est bon, terminé. Mais il prend. Ah non, c'est bon, il prend A. J'ai eu peur un instant pour lui, c'est bon. Il est capturé A. Ouais, non. Un peu loin peut-être, mais bon, après à voir. Il recharge combien? Recharge un peu moins d'une minute, une minute, un peu plus d'une minute, pardon, 1 minute 10. Ouais, le Gnadenhaus il reste là. Il est pas cuit parce qu'il était à 10,3, donc non, il prendra pas les torpilles. C'est dommage. Mais bon, il recharge tellement vite que de toute façon, le Akatsuki apparemment. Là c'est le jeu torpille, là vraiment. C'est plus le jeu torpille qu'il va faire pendant toute la partie, je pense. C'est le jeu invisible. Le jeu du petit sournois. Thomas est juste derrière avec son Elena pour le seconder. Et il voit ici un Eisenhower à 7 km qui s'avance toujours. On doit se douter que le Akatsuki est pas loin avec les torpilles qui passent là. Non, pas encore. Alors que va faire Nazna? Il va passer derrière l'île, il va faire demi-tour, qu'est-ce qu'il va faire? C'est toujours problème. Il va se cacher derrière l'île, j'ai l'impression. Peut-être garder le dernier set de torpilles. Ah non, les 3, d'accord. Ok, bon bah les 3. Ouais, parce que les torpilleurs du porte-avions vont faire de changer de direction. Ou pas. A voir. Non, ils font dedans à toute vitesse là.
C'est chaud, c'est chaud là, c'est chaud, c'est chaud. Ah, il est en plein dedans là. Il a pas vu. Et il a vu, il fait ah non! Je ne veux pas mourir, torpillé! On prend quand même deux ou une? Non, une seule. Il a eu du bol, hein. Il a eu un bol fou, quoi. Et là, les torpilles dans 12 secondes sont revenues. Par contre, le Léna, là, il va prendre cher, je pense, à mon avis. Joli. Ouais, on voit la différence vraiment avec les destroyers de. Les. Comment on appelle ça? Les gunners, quoi. Les artilleurs, destroyers artilleurs, les contre-torpilleurs. On voit la différence de rechargement de. Des canons, quoi. Et là, par contre, je comprends pas ce qui tire à l'explosif sur l'Elena, quoi. Franchement, là. C'est du grand n'importe quoi. Ah oui, là il fait très mal là le Léna, bravo. Kaboum. Ouais, bravo à Thomas. Maintenant il est temps de plus se faire repérer, hein, surtout. C'est fascinant de jouer à Destroyer aussi quand même, hein. C'est une. Des parties de cache-cache. Alors que font l'équipe ennemie et l'équipe amie de l'autre côté? Bah, ils sont incuirassés partout. Colorado contre Nazanao. Par contre, ils ont pris une base de plus. Enfin, oui, ils ont pris une base de plus. Celle où du départ des navires de l'équipe amie. Dommage. Oh là! Par contre, là, le Colorado, il a pas vu les torpilles arriver, je pense. Bah, surtout, il est là par hasard. Hein. Il tourne. Il sait pas qu'il y a trois torpilles qui sont sur lui là. Je suis pas curieux de savoir ce qui va se passer. Il tourne pour éviter les torpilles devant, mais va-t-il réussir? Va-t-il réussir? Oui! Ah non! Non, sur le nez. Et Prince Eugène, va-t-il réussir à éviter toutes les torpilles ou pas? Ah, il est en train de. Non, faut pas tirer, vaut mieux pas tirer. Interpérer mon pote! C'est dommage. Ouais, autant repérer jusqu'au bout, autant tirer. Il est en train de. Ouais. On dirait que. Non, c'est bon. Il n'a pas l'air de perdre en. Boum! Voilà, Léna l'a eu. Bravo à Thomas. Deuxième navire pour Thomas. Ouais. Ouf, c'était peut-être pas la peine de tirer là. Donc, ils prennent la base D. Deux navires détruits. Un navire chez les amis. Ça va, Thomas et lui sont vraiment en bataille coordonnée. Hein. Mais Savienda reste un petit peu en arrière. Charnor se détruit, dommage. Le lion de Savienda reste un peu en arrière. Il aurait dû continuer avec eux, je pense. Il aurait pas dû se montrer aussi prudent que ça. Mais bon, chacun voit comment il joue la partie. Hein. C'est toujours pareil, c'est aussi une question de garder la base. Là, il revient vers la base B en fait. Fiji est là aussi. Oula, 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 ouf, ouf, ouais, attends, t'as détruit, c'est bon. Bravo. Prince Eugène est reparu. La bataille se passe plutôt bien pour l'instant. Rien de particulier à ajouter. Y'a un Bismarck qui est resté. Ah non, non, d'accord, ok. J'ai cru qu'il était resté AFK, mais non. Ouais, bon, pour l'instant ça va, ils sont pas non plus en désaccord sur le nombre. Ah oui, mais ça vient d'avoir dû descendre. Mais c'est pas grave, pas grave. Maintenant c'est l'heure de faire payer au Prince Eugène. Ah, on a un Bismarck qui va tout droit là. Une minute avant de recharger.
pose la question, est-ce que le... Est-ce qu'il est en vitesse rapide pour les torpilles ou bien non? Ah et voilà, Akatsuki, ennemi détruit par Chapaïev, parfait, il peut reprendre B, sans coup ferrière pratiquement. Enfin si, il l'a ferri le coup là. Wow, il était repéré. Il a encore 10, 5 secondes, 7 secondes avant le... Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est bon, boum sur le Bismarck. Bravo. Superbe tir de torpille. Ils avaient arrivé au dernier moment quoi. Au dernier moment quoi. Le short 262, peut-être qu'il peut essayer de l'avoir, non il est trop loin. Maintenant c'est partir vers entre les îles là-bas pour essayer de chercher C peut-être. Faire attention. Ouais. Le vilain porte-avions ennemi essaie de l'avoir, je pense. Ouais, il vient vers lui. Avec des quoi? Avec des lanceurs de roquettes. Je sais pas comment ça marche. Oui, lanceur de roquettes, il a manqué ses roquettes. Tant mieux. Allez, boum. Plouf. Franchement qu'il y ait des roquettes. Je l'ai dit, hein, c'est du grand n'importe quoi. C'est qu'à la fin de la guerre, ils ont lancé des roquettes sur des navires, mais jamais sinon. C'est trop imprécis comme chose. Comme arme en fait. Ah, bah voilà, le Colorado explosé par le Massachusetts. Ça, tu peux le dire. Qu'est-ce qu'il y a à pouvoir faire de plus? Il est 820 points, ils prennent D. Lui, il va prendre C. Il a de grandes chances en tout cas. Atlanta étant 11 km, mais voilà, il se fait tirer dessus, il va se faire exploser. Ah, Atlanta est quand même détruit de Tirpitz avec une explosion de dépôt. Ah oui, quand même. Je pense que c'est une torpille à mon avis parce que je vois pas trop comment il aurait pu faire sinon. Atlanta va disparaître bientôt aussi, je pense. Thomas est toujours en vie. Il est pas si mal que ça, mais il a pris des risques de taper sur le Tirpitz et mettre freine ce gène. C'est un peu chaud quand même. Hein. Le Shores à 14 km en plus. Qu'il fasse gaffe avec son navire. L'ENA là il est très très mal. L'Atlanta détruit par l'Algérie, bon bah c'est bon. Brit se gêne. Torpille, pas torpille. Il s'éloigne le Brit se gêne. Il y a aussi le Tirpitz d'ailleurs. Et voilà, capturé. Aide à la capture alors qu'il était le premier à rentrer dedans. Alors ça, j'ai jamais compris ça. Ah bon, tout va bien. Il se met à l'abri tranquille. Les torpilles vont sur le Tirpitz. Ah bah voilà. Je sens que un petit Tirpitz au tableau de chasse. Ça fait toujours plaisir. Oh. D'accord. Oh, une torpille sur le polytogène, j'y crois pas. Et kaboum. Excellent. Ah, j'y crois pas quoi. Trois navires coulés. Et les quatre bases prises. Allez. Fou furieux quoi, fou furieux. Bah là c'est torpille, il y a 90% des abages de torpille quoi. Chance détruit, il reste plus que porte-avions. Je pense que porte-avions de toute façon il est très loin. Personne peut l'avoir, je pense, à mon avis. Hein. Ah, c'est trop fort. C'est trop, trop fort. Et voilà, partie terminée. On se retrouve pour les statistiques de cette belle bataille, très belle bataille de cache-cache. Et bien, on se retrouve pour les statistiques du commandant Falco dans son Akatsuki. Et voyons qu'il a reçu donc... 343 000 crédits, 7667 points d'expérience, 461 points d'expérience libre et frappe double, voilà, on l'a bien vu, frappe double. Donc 114 000 points de dégâts infligés, 25 coalassis par la bataille principale, 10 torpilles touchées et bien touchées, 2 avions abattus, 2 éléments neutralisés, 3 navires détruits, 9 inondations provoquées, 1 base capturée et 1 aide à la capture. D'accord, allez hop, on passe directement
analyse des joueurs, on peut voir que donc les ADML se distinguent par le premier et dernier de la classe. Donc le premier, c'est Commandant Falco avec l'Akatsuki, 2037 points d'expérience de base. Donc c'est extraordinaire parce qu'il a au moins... Oui, c'est ça, il est à 560 points devant tout le monde. Donc il a un peu phagocyté l'expérience. La Guro derrière le suit à 1473. On peut voir que Thomas le suit avec l'Elena à 1434 avec aussi l'Atlanta. Et le dernier, c'est le Lion à 1923. Voilà. Mais en face, l'équipe ennemie n'a pas fait grand chose à part le premier. Le premier, l'Atlanta, qui a fait vraiment du bon boulot aussi. 1096, il aurait donc 1600 points à peu près en bataille gagnée. Donc, quand on regarde les points en face, ils se sont fait écraser, hein, l'équipe ennemie. Hein. C'est pas joli. Hein. C'est même pas du très bon boulot. Le Ranger en face, il a fait que 227. Hein. Incroyable. Enfin bon, il n'y a pas beaucoup d'avions détruits quand même. Si, quand même, le Lagoureux a détruit 19 avions. Wow, il avait un anti-aérien sur lui alors, à tous les coups. Bon, alors. Enfin, il était monté anti-aérien. Ensuite, on passe directement aux dégâts infligés. Donc 34 000 points sur le Bismarck, coulé. 27 000 points sur le Tirpitz, coulé. 13 000 sur le Prinzogen, coulé. 22 000 sur le Colorado. 16 000 sur le Naxnao. 6 points sur le Lena, le petit copain. Une avion détruit sans doute. Et donc il a fait 114 000 points de dégâts, comme je disais. Il a fait donc 6 000 avec les batteries principales, donc c'est un peu normal. Hein. 95 000 à la torpille. Oh, 54 torpilles lancées, 10 touchées quand même. Donc ça fait un rapport quand même de 1 cinquième. Donc, c'est bien pour un lanceur de torpille. Hein. 13 000 points de dégâts infligés grâce à l'inondation, bah, logique. Navires de guerre détruits, 3. Navires de guerre endommagés, 3. Donc 6 navires de guerre endommagés et détruits. 2 avions détruits. 60 000 points de dégâts dû à détection. 160 000 points de dégâts potentiels. On n'a pas beaucoup tiré dessus. Un petit peu, mais pas sans plus. 96 points de capture, 740, c'est pas tout à fait à la moitié, mais c'est près de 40%. Un peu plus de 40% même. Donc la bataille durait 13 minutes 27, donc une bataille moyenne moins. Elle durait 68 km parcourus, c'est ça. 3407 points de dégâts reçus, c'est très bien dissimulé, il a très bien joué son positionnement. Rien à dire de ce côté-là. Une bataille presque excellente et pas parfaite. Voilà. Bravo à toi, Falco. Alors, voyons un petit peu. Les pourcentages de... Bon, il n'y a pas trop à se tortiller non plus. Hein. C'est 95%, c'est... Ah non, j'ai n'importe quoi, excusez-moi. Ce qui lui a mis au moins 200 points d'expérience dans la poche, au moins 250 points d'expérience, je dirais, c'est points de capture. Il a quand même capturé 96 points. C'est bien, c'est très très bien, donc. Hein. Donc ça nous fait du, je dirais, 80%... Ouais, 80% vient des dégâts infligés des navires coulés, 20% vient de la capture. Les captures, c'est très très important pour un destroyer, je rappelle. Donc au niveau des points d'expérience, j'ai cru comprendre que c'était multiplié. Hein. Enfin, il y avait un multiplicateur sur un destroyer quand il capturait. Donc je pense là du 20% au minimum. Quoi, hein. Voilà. C'est ce que je pense. 80-20. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Allez, on passe aux récompenses maintenant. Hop là. Il était en premium, ce qui ne gâche rien. 292 000 crédits au total pour un combat rang 7, c'est pas mal. Reçu alors 3362 avec le premium à 1,5. Ton mission de combat, j'ai pas vu, mais bon, c'est pas grave. C'est le modificateur, bonus journée de victoire plus 100%, c'est bien. Et 5% du clan, donc il arrive à 7667, bravo à lui. 461 points d'expérience et le commandant a pris 8004. Et il est à 132 000, donc il doit être dans les 13-14, je pense. Bon, donc on me le dise parce que je me souviens plus des ratios exo exacts. Des ratios exacts, oui, bien sûr, StarCat. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne soirée, journée, ce que vous faites. Et puis, ben, rompez. Ciao. お前はもう死んでいる。何？